Eh bien salut tout le monde, c'est Seven6, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Origins et aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre le mystère du Grand Sphinx et débloquer tout simplement la tenue légendaire de la première civilisation. Donc pour cela il faut que vous vous rendiez tout simplement pour la première fois dans le Grand Sphinx, donc l'entrée se trouve juste derrière par un petit passage étroit. Une fois à l'intérieur, vous avez juste à avancer et au bout d'un moment, vous allez apercevoir un petit trou dans lequel vous allez pouvoir sauter. En suivant le chemin, vous tomberez sur une immense pièce créée par les premières civilisations. Et au milieu de cette pièce, il y a une petite table avec des rochers sur un désert. Et cela représente tout simplement tous les cercles de pierre du jeu. Donc si vous comptez, il y en a 12. Et vous allez devoir tous les découvrir et tous les utiliser pour pouvoir débloquer l'armure secrète. Donc une fois tous les emplacements des cercles de pierre notés, vous allez devoir vous rendre sur ceci afin d'aligner les pierres avec les étoiles. Donc je vous conseille tout simplement d'avoir déjà bien avancé dans le jeu, tout simplement parce que les 12 cercles de pierre sont éparpillés aux 4 coins de la map. Et c'est vrai que c'est plutôt difficile si vous êtes niveau 20 par exemple, d'avoir accès à toutes ces zones, ou alors vous allez devoir voyager énormément. Donc chaque cercle de pierre correspond à une divinité, vous allez devoir l'aligner comme je vous l'ai dit avec les étoiles et une fois cela fait vous allez devoir retourner au Grand Sphinx. En retournant dans la pièce où il y avait la table, vous allez vous apercevoir que chaque groupement de pierres est relié par un rayon lunaire au plafond et surtout vous allez pouvoir interagir avec un brasero à l'avant de la table. Une fois cela fait, vous avez juste à entrer dans le passage qui vient de vous être ouvert et en descendant, vous tomberez sur une pièce créée là aussi par la première civilisation. D'ailleurs, Bayek y fait référence en disant que ceci n'a pas été créé par les Égyptiens. Avant d'aller plus loin, je vous conseille de ramasser toutes les fleurs, les silites qui sont éparpillées aux quatre coins de la pièce. Donc il y en a d'ailleurs 4 dans cette pièce. Une fois cela fait, vous devez vous rendre au centre de cette pièce et vous allez voir un mécanisme que vous allez pouvoir activer avec 50 fleurs donc de silice. Donc si vous ne les avez pas, il vous en manque 46 à trouver, mais pas de panique, c'est vraiment hyper simple. Vous avez juste à explorer les tombeaux, donc par exemple les pyramides, vous allez déjà pouvoir en trouver un bon paquet. Et une fois que vous aurez rassemblé ces 50 fleurs, vous allez pouvoir activer le mécanisme. Et donc là, la voix des anciens va parler comme dans tous les autres tombeaux, sauf qu'ici vous allez débloquer en plus une tenue qui va être ajoutée à votre inventaire. Cette tenue, c'est la tenue de la première civilisation et vous pouvez voir qu'elle est hyper jolie. Vous avez une capuche intégrale ainsi que des parties brillantes sur le torse qui rappellent tout simplement les écritures de cette civilisation. Après, comme toutes les tenues du jeu, elle n'apporte qu'un aspect cosmétique et non de caractéristiques supplémentaires. Mais elle est vraiment super jolie. Moi, personnellement, le casque me fait penser énormément aux armures qu'il y a dans Destiny. En tout cas, vous venez de terminer le secret du Grand Sphinx. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu suivre le tuto vous aussi afin de pouvoir débloquer cette armure. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la poser dans les commentaires. Je peux même vous répondre si vous ne savez pas où trouver les cercles de pierre. Je peux vous l'indiquer tout simplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas non plus à mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Seven6. Bye.